Chambon-sur-Lignon, petit village gaulois et protestant qui a résisté encore une fois à l'envahisseur. Ah, au Chambon. C'est la vérité qu'il faut imprimer. Elle est plus belle que n'importe quelle légende. Je te dis ça, papa, parce que j'y suis retourné au Chambon. J'ai cherché la maison des Kittler, ceux qui m'avaient caché. Kittler, ça s'invente pas. J'ai passé presque toute ma vie à croire qu'un juif heureux était un goy qui s'ignore. La question qui fâche depuis toujours entre nous, sachant que je ne suis pas ce que tu voulais que je devienne et que je ne suis pas devenu ce que je rêvais d'être, pourquoi je suis devenu ce que je suis? Tu me suis? C'est clair, non? Petit, je suis obligé de cacher mon identité parce que des grands me font la guerre à cause de mon Dieu. Une fois devenu grand, on m'interdit de dire son nom, même quand la paix est revenue. Ça a traumatisé l'enfant que j'étais resté. Mon copain Boris l'explique vachement bien. Boris Cyrulnik, le psy. J'étais traumatisé et Boris m'a appris la résilience. Un moyen de retrouver de l'assurance. Mais moi, je suis tellement resté dans le doute que c'est mon assurance que j'ai résilié. Si un juif doute parfois de Dieu, il craint toujours sa mère. Et surtout, il lui reste soumis. À sa mère, pas à Dieu. Ah non! Non, quand tu es juif avec Dieu, tu peux toujours négocier. Jamais avec ta mère. Dandin, c'est moi. Un type qui rêve de réussir pour que ça roule avec sa femme et que cette femme de rêve réussit à rouler. Pour séduire les femmes malgré ma peur, j'ai décidé de devenir comédien. L'influence de Brando, jouer l'infâme pour enjouer les femmes. Hé, toi là-haut! Je ne sais pas comment tu distribues les cartes, mais elles sont sacrément biseautées. Si j'avais créé le monde, j'aurais arrêté mes conneries dès le premier jour, après la lumière. Dans tes trucs, il n'y a que ça de bien, la lumière. En horoscope de Pchitik, c'est là d'où je viens, je suis Schlemil, ascendant Schlimazel. Deux ramoneurs juifs sortent d'une cheminée qu'ils viennent de ramener. Ils se regardent, l'un est propre, l'autre est sale. Lequel va se laver le premier ? À mon avis, Dieu et moi, on a un problème de communication. Il me parle, je lui réponds, mais on s'entend pas. Dans la vie, tout s'arrange toujours, même mal. Grâce au parrain, Brando fait sa meilleure blague. Superman, ça lui rapporte 4 millions de dollars pour 10 minutes d'apparition à l'écran. Moi, on me voit dans tous les castings pour pas un rond. Non mais, franchement, vous ne trouvez pas que je me pose déjà assez de questions comme ça tout seul, sans en rajouter? Et puis, ne posez jamais une question à un juif, vous risquez une réponse par une autre question. Entre 3000 et 5000 bibles, il a sauvé le brave pasteur totalement cachère. Et parmi ces bibles, mon frère Claude et moi. Grâce à lui, notre vie a pu dépasser le premier chapitre de la Genèse.